Bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous policier. Cette semaine à l'émission, on traite du travail d'un patrouilleur, mais à travers l'œil critique de Brian Miles, président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, mais également journaliste au quotidien Le Devoir. Donc, il a couvert l'actualité judiciaire pendant plusieurs années, en plus de traiter de sujets délicats comme le profilage racial ou bien de la relation entre journalistes et policiers, particulièrement lors des manifestations du printemps 2012. Il a donc accepté notre invitation de patrouiller toute une soirée en compagnie d'un agent du SPVM et à savoir si cela a changé sa perception, eh bien, vous allez le voir à travers le reportage qu'on vous a préparé. La relation entre policiers et journalistes fait partie des sujets de débat contemporains dans une société démocratique. Pour plusieurs, elle s'est détériorée, particulièrement à la suite des manifestations étudiantes du printemps 2012. Les journalistes doivent-ils craindre les policiers et peuvent-ils toujours faire leur travail sans entrave? La relation était très difficile au printemps parce que les manifestations répétées des étudiants ont entraîné une couverture plus poussée des journalistes. Et souvent, les journalistes ont été pris à partie non seulement par les manifestants, mais parfois par les policiers, parce qu'ils se retrouvaient tout bonnement dans la ligne de feu, dans la ligne de tir, si on veut, ou à tout le moins au cœur de l'affrontement. Quand on est journaliste, on veut capter les meilleures images. On veut être le plus près de l'action pour être capable d'être le témoin. On dit du journaliste qu'il est l'œil et l'oreille du citoyen qui n'a pas le privilège d'être sur les lieux. Les policiers sont plus surveillés qu'ils l'étaient auparavant et ils n'aiment pas cette surveillance. Les citoyens comme les journalistes, quand on filme une intervention qui pose problème, on voit très bien que les policiers n'apprécient pas. Et je pense qu'il y a un message qui doit être passé par la haute direction, qu'être filmé, tant que la caméra n'est pas à deux pouces du nez, ça fait partie des règles du jeu maintenant dans une société démocratique. On exige compétence et transparence de nos policiers. Comme président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, Brian Miles représente environ 2000 de ses collègues. Dans le cadre de son emploi au Devoir, il est appelé à se prononcer sur de nombreux sujets, plusieurs concernant le travail policier. Le profilage racial et social, la brutalité policière, les enquêtes entre services policiers, ne sont que quelques exemples. Moi, comme journaliste, j'ai travaillé beaucoup les questions de profilage racial et de profilage social. Et Marc Parent, quand il a été nommé directeur du service de police, il était clair pour la Ville de Montréal qu'il devait régler ces problèmes-là. Le respect et la valorisation de la diversité sont tributaires de ces principes directeurs et constituent l'une des pierres d'assises de mes intentions stratégiques. Marc Parent avait mis en place un système de veille, de détection des comportements inappropriés et avait lui-même employé l'expression « le savoir-être ». Il disait des policiers, pour être respectés, ils doivent être respectables. Et ce qu'on a vu dans quelques événements, on va toujours nous dire que ce sont des événements isolés, bien sûr, que la grande majorité des événements, des interventions de la police se terminent bien. Mais quand on voit des choses comme matricule 728, c'est pas très édifiant. Tout le monde en a des préjugés, parfois même des stéréotypes. L'essentiel, quand on est journaliste, et je dirais même quand on est policier également, c'est de les mettre de côté et de se concentrer sur les faits devant nous, d'essayer de les interpréter, de les analyser de la manière la plus honnête, la plus rigoureuse possible. Nous avons demandé à Brian Miles quelles étaient ses attentes pour cette toute première patrouille avec le service de police de la Ville de Montréal. J'ai pas d'attente particulière. Quand on est journaliste, on essaie... Ma méthode, à moi, c'est de m'effacer le plus possible et de regarder, de poser des questions, évidemment, mais d'observer, regarder, essayer de comprendre la réalité telle que le policier la vit et l'aperçoit. J'ai hâte de voir comment on approche ces clientèles-là qui sont pas toujours faciles et qui doivent pas vraiment aimer beaucoup la police. Moins que les journalistes, peut-être même. Notre quart de travail débute à 15h30 au poste de quartier 12, couvrant les secteurs de Westmount et une partie du centre-ville de Montréal. Avant de quitter avec l'agent Anthony Cantelmi, notre patrouilleur, nous assistons au fall-in, donc la rencontre d'équipe pour tous les agents avant de prendre la route. Ils vont travailler avec Anthony. Ils ont une petite journée chargée. On va peut-être aussi avoir une soirée chargée à cause de la température. Alors, les véhicules Marco et Francis Comière, Stéphane et Marc Comière également, et voir Clara qui va dans le bureau SP. Bon, on a vu un peu, on a parlé durant le fall-in, la rencontre de brefage. Mais le quartier, les problèmes ou les réalités à laquelle vous êtes le plus sensible comme policier? Je vous dirais, on a les deux réalités. Hein. Il y a l'autre bord. Une fois qu'on dépasse Atwater,
que ça vient... On a une grande problématique d'itinérance. Là, on va le voir à soir. Les gens qui sont dehors ou bien dans le métro. Ils vont être dans le métro, ils ont froid. Les incivilités qui viennent avec la consommation de bière, la drogue. On a une clientèle vulnérable. Là, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui sont vulnérables et ça, avec ça viennent les prédateurs qui sont après eux. Donc, on a toujours quelques personnes à vérifier, des gens qui vont se tenir près de cette clientèle vulnérable-là puis essayer d'en profiter. Et là, du côté de Westmount, bien là, c'est une autre réalité. Il y a beaucoup de... C'est plus une question de... C'est très résidentiel, donc il y a des vols par effraction dans les maisons. Ah oui, OK. Forcément. Des troubles de circulation, des affaires comme ça. Donc, c'est vraiment deux réalités différentes. Dès les premières minutes de notre patrouille, un appel nous confronte déjà à ces réalités. Tu vas voir de faire un cours présentement au parc Cabot entre deux individus. Ça semble un homme et une femme. On va aller avec eux. Hi, how are you? Good. What are they doing? Still fighting over liquor stuff? I came earlier. She was beating up. Et on a un appel, un jour sur deux, on a un appel de violence conjugale entre les deux. Et c'est tout le temps la même chose. C'est soit un qui frappe l'autre qui frappe l'autre. On les arrête, on émet des conditions qui n'ont pas le droit de communiquer ensemble, mais oublie ça, là, ils reviennent ensemble tout de suite. Puis... And every time she says I'm not with her, she attacks me. And if she sees me with another girl, oh, she wants to beat up the other girl and everything like that. Why don't you... I think you had enough tonight. Why don't you go home? Go home. Yeah, take the Mitchell. Yeah. Where's your card? Show me your card. C'est my father. Ah ouais? Vas-tu s'en aller après? Mais parfois, les causes s'accumulent pour lui. À un moment donné, un juge se tanne. Il émet un mandat d'arrestation et là, il va en cour, il plaide coupable et il passe 2 ou 3 mois en dedans. Puis ça, c'est bon, il revient. Il est en forme. Ça, c'est un gars qui est extrêmement en forme. Il était extrêmement en forme. Il nous montrait des photos des fois. Il bâtit bien en forme. Quand il va en prison et il ressort, il clean. Évidemment, il ne fume pas de crack là-dedans. Puis, c'est pas de l'alcool comme ici. Puis, la prison, il fait du bien, finalement. Vraiment, il sort, là, tu le vois. Surtout, il sort l'été. Là, il se promène dans un petit T-shirt, tu le vois. Tu sais, il s'est fait des muscles. Il a de l'air en forme. Il a bien mangé. Il est correct. Puis là, ça prend pas de temps. Puis, il vient comme ça. Mais c'est beaucoup de monde. Là. Ça, c'est pas juste dans le 12, mais. Tu les vois le matin, puis quand ils sont à jeun, et le soir, puis c'est deux personnes complètement distinctes. Après la pause, on continue notre patrouille en compagnie de Brian Maz et de l'agent Cantelmi. Ça permet de voir un métier qui est à la fois routinier et imprévisible. Et c'est peut-être ça le grand paradoxe. Routinier dans la mesure où on repasse sur les mêmes rues, on refait le même périmètre, mais en même temps, on ne sait jamais sur qui on va tomber.